Nils et Antoine, donc vous venez pour les résultats du bac avec quelques minutes d'avance parce que vous êtes super impatient. Exactement. Vous pensez que ça sera plutôt quoi, le résultat? On pense tous les deux qu'on a des chances de l'avoir, quitte à passer au rattrapage. On n'est pas à l'abri d'un carton. Voilà. Donc là, vous vous êtes aperçu qu'il y a la police qui est présente pour distribuer des éthylotests. Vous en pensez quoi? Oh, c'est cool. Bah, ça évitera aux élèves qui ont leur bac de trop faire la fête, aux élèves qui l'ont pas de vouloir faire un suicide à l'alcool. Vous avez prévu quoi ce soir? Moi, si j'ai mon bac, je pars directement loin, et si je suis au rattrapage, je rentre chez moi réviser. Et toi? Dans tous les cas, je fais la fête ce soir. Avec un éthylotest alors? Ouais, voilà, avec un éthylotest, et puis demain, il faudra réviser l'oral si je suis à l'oral. Si j'ai mon bac, je pourrais refaire la fête demain. C'est bon? Il est dans la poche. Impeccable. N'hésitez pas à venir voir les dessins des enfants. N'hésitez pas. Hein? Ah, je sais pas, vous espère, je vous espère. Allez, paparazzi de partout. Non, on ne va pas hésiter sur le nom de. Alors? Attends mec, coucou, je l'ai. Et votre copain? Il l'a aussi. Ok. Félicitations. Merci. Donc, des larmes de joie? Ben ouais, parce que mention très bien. Là, aujourd'hui, elle est la police qui est venue pour faire une opération autour des éthylotests. Vous en pensez quoi? C'est très bien. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Alors ça va, ouais. Ouais. Allez, félicitations. Faites attention ce soir. Oui. Voilà. Bon, mais les filles en général, elles sont sérieuses. Oui, oui. Donc, c'est quoi l'année prochaine, quoi, en fait?